Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par un message du bureau de la communauté tchadienne auprès de l'État de Libye. La communauté tchadienne auprès de l'État de Libye félicite son Excellence Monsieur le Président de la République Idriss Déby Itno et le peuple tchadien pour le lancement de la 4e République et salue les efforts déployés pour assurer la sécurité, la stabilité, le développement et le progrès de la nation tchadienne. Il remercie par ailleurs son Excellence Monsieur le Président de la République Idriss Déby Itno pour avoir nommé Monsieur Béchir Aboud Trebo en tant que premier secrétaire de l'ambassade de la République du Tchad à Tripoli. C'est un communiqué qui porte la signature de, donc c'est un message qui porte la signature de Abdelkrim Ahmad Abdallah. Le ministre de l'Éducation nationale a fait un point de presse à l'intention des délégués régionaux à l'enseignement et à la jeunesse. Point de presse axé sur le système éducatif tchadien qui intègre les préoccupations de la 4e République. Suivez plutôt Aboubakar Sidik Choroma. Le Forum national inclusif nous a prescrit la mise en œuvre du bilinguisme intégral. Elle sera effective dès la rentrée prochaine et nous devons commencer les réflexions dès maintenant pour y parvenir. Des textes y afférents seront pris dans les jours à venir. Vous devez alors faire la situation exacte du personnel enseignant, arabophone et francophone, nécessaire pour lancer ces processus. Un redéploiement général du personnel sera effectué pour jeter véritablement les bases du bilinguisme. Vous devez donc vous préparer pour cet exercice. S'inscrivant dans la logique de la préparation de la rentrée scolaire prochaine, je voudrais insister sur l'orientation des élèves. Des actes sont pris pour que l'orientation des élèves s'effectue à partir de la classe du 3e qui constitue la fin du cycle fondamental. À la rentrée 2018-2019, il n'y aura plus de classes de seconde unifiée communément appelée seconde U. Instruisez les chefs d'établissement et les conseils d'orientation des collèges d'orienter dès la fin de l'année en cours les élèves de la 3e. En seconde littéraire ou scientifique, selon leurs compétences. Conseil d'administration de la Maison des patrimoines culturels du Tchad. La rencontre s'est tenue ce matin dans la salle de réunion de la Bibliothèque nationale. Réunion présidée par le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat. Kadnouba Théophile nous fait le point. Né de la fusion du Musée national, de la Bibliothèque nationale, du Bureau tchadien du droit d'auteur et du Centre national de lecture publique et d'animation culturelle, la Maison des patrimoines culturels du Tchad a pour mission de valoriser et conserver des richesses culturelles et touristiques du pays. Placée sous la tutelle du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, cette structure, créée en septembre 2016, vient de tenir son tout premier conseil d'administration. Les travaux qui ont été dirigés par la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Arjoun Djalal Khalil, sont axés sur l'examen et l'adoption du budget, du plan d'action, de l'arrêté fixant les modalités d'organisation et du fonctionnement de la coordination générale, des directions techniques, puis la situation du personnel. Le document présenté est très riche et intéressant par rapport au budget. On a eu à réaménager certaines choses, mais surtout par rapport au plan d'action. Dans le plan d'action, c'est un plan qui a une vision globale dans l'innovation. Quelques sites qui ont été érigés en patrimoine mondial. Et à ces sites, nous pourrons développer notre tourisme, mais aussi notre artisanat. La ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat de préciser que depuis son installation, l'équipe de la coordination est à pied d'œuvre pour porter à la connaissance des Tchadiens et de l'opinion internationale les informations nécessaires à une connaissance et à la mission de la Maison des patrimoines culturels du Tchad. À suivre à la fin de ce journal, la lecture des décrets. Le président de l'UNDR, Salih Kebzabo, a animé ce matin une conférence de presse. Une conférence au cours de laquelle le chef de file de l'opposition a abordé plusieurs questions. Compte rendu, Adef Ahmad Ben Rahman.
Des préoccupations de l'heure à prédominance politique étaient au centre de la conférence de presse du président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau et chef de file de l'opposition Saleh Kebzabou. Le processus démocratique, la mise en place du cadre national de dialogue politique, l'adoption de la nouvelle constitution et la tenue des élections législatives et locales ont constitué l'ossature des échanges avec les hommes des médias. Après avoir déploré les conditions de vie de la population tchadienne, le leader de l'opposition s'est prononcé sur la prestation de serment des membres du gouvernement qu'il qualifie d'une violation du sacro-saint principe de la laïcité et la Cour suprême des dépendantes. Après une analyse, l'UNDR a pris la responsabilité de participer au processus électoral. Nous sommes et nous resterons toujours dans l'opposition au système actuel. Et nous serons vigilants pour agir dans le sens de nos intérêts qui sont ceux de notre pays. C'est pour cela qu'après une analyse lucide, nous avons décidé de nous impliquer entièrement dans le processus électoral qui vient d'être déclenché. Chaque parti politique est responsable de ses choix et doit les assumer. L'UNDR a fait les siens, les assume et ira en toute responsabilité aux futures échéances électorales dans l'unité avec les partis qui auront fait le même choix que lui. Nous serons désormais intraitables et personne n'a de leçons à nous donner. Saleh Kebzabou devait insister sur les vertus d'une démocratie apaisée, laquelle, selon lui, conduira à des élections transparentes. Le chef de file de l'opposition a été accusé d'avoir rencontré le président de la République le 16 mai dernier. Pourquoi l'a-t-il rencontré? Après 6 ans de bouderie, j'ai décidé de briser la glace pour demander cette audience. Pourquoi? J'ai simplement estimé, en accord avec mes camarades, que cette posture était anti-républicaine et contre-productive en regard des événements passés, en cours et à venir. Voilà pour le contexte. Une rencontre entre le président de la République et le chef de l'opposition est prescrite par la loi 20 de 2009 portant statut de l'opposition. Et vous lirez en son article 10, je cite, l'opposition politique est consultée par le président de la République ou le Premier ministre chaque fois que de besoin sur les questions d'intérêt national ou de politique étrangère. Ces consultations peuvent avoir lieu à l'initiative des autorités concernées ou à la demande de l'opposition politique. S'agissant de la position de l'UNDR par rapport à l'adoption de la nouvelle constitution, le leader politique a été on ne peut plus clair. Toute loi votée à l'Assemblée nationale s'impose à tous les Tchadiens, affirme-t-il. En tant que légaliste et républicain, il ne peut que prendre acte. Aujourd'hui, 25 mai, c'est la journée de l'Afrique, journée marquée par une conférence débat organisée par le Bureau de liaison de l'Union africaine et le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Tchad. Conférence placée sous le thème « La zone de libre-échange continentale ». Compte rendu d'Amgelitni. Quels enjeux, défis et perspectives pour l'accord de la zone de libre-échange continentale adopté au sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali en mars 2018? C'est le thème de cette conférence débat qui vise à expliquer les tenants et les aboutissants de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale qui s'inscrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette zone de libre-échange permettra de bâtir une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Pour le conférencier Dr Gyalbay Manassé, cet engagement dans le processus d'intégration régionale posée par les dirigeants africains entraîne la suppression automatique des barrières douanières entre les États. Ceci a pour enjeu la libéralisation des échanges commerciaux qui a pour corollaire la création des marchés uniques et la libre circulation des biens et des services. Ces enjeux permettront d'augmenter de 60% le niveau de commerce intra-africain d'ici 2022. Les ambassadeurs ont compris à travers cette conférence la nécessité de sensibiliser les différents acteurs de leurs pays respectifs pour l'application de cet accord ratifié par 44 États sur les 55 que compte l'Afrique et qui,
entrera en vigueur en janvier 2019. Point de presse du maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimé Ibeta, a axé son intervention sur l'interdiction des ventes de carburant à la sauvette. Suivez un extrait de ses propos. Malgré plusieurs appels interdisant la vente de carburant à la sauvette dans la ville de N'Djamena, celle-ci continue de plus belle. Depuis quelque temps, on constate que la ville est complètement envahie par le carburant frelaté, issu de la fraude. La vente de ces carburants, provenant des pays voisins, a pris une ampleur incommensurable, atteignant ainsi l'ensemble du périmètre urbain. La plupart des personnes s'adonnant à cette pratique sont des femmes et des enfants. Ils occupent les bordures des routes, les devantures des hôpitaux, des institutions, les marchés, voire même l'intérieur des quartiers. Certains sont postés tout autour de la grande mosquée de N'Djamena, ainsi que sur l'axe quittant le marché central jusqu'au marché Amil. Cette pratique, faut-il le souligner, expose les stations-service et la raffinerie de Djarmaya à un état de mévente, entraînant ainsi une chute vertigineuse de l'économie nationale. Face à cette situation, l'exécutif de la commune de la ville de N'Djamena, dont je dirige, ne pourrait rester indifférent. C'est pourquoi, conformément aux lois de la République, et surtout, je répète, la vente du carburant à la sauvette est strictement interdite. Le secrétaire général de la commune du 3e arrondissement a présidé une cérémonie de sensibilisation dénommée Week-end de la fiscalité. Ce projet vise à assainir et promouvoir le civisme fiscal au Tchad. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du 3e arrondissement. Mohamed Oumar Moussal. Le projet Week-end de la fiscalité consiste à promouvoir le civisme fiscal et de la culture de la redevabilité à travers la sensibilisation des contribuables et des acteurs publics. Il vise également à accroître la pression fiscale qui est très faible au Tchad. La chargée de communication du Croisette, Remadi Christelle, explique les activités que mène leur organisation. Le week-end de la fiscalité est un cadre convivial offert à l'administration fiscale du contribuable d'échanger sur les taxes et impôts collectés et les utilisations qui en sont faites. C'est une manière de promouvoir le civisme fiscal en favorisant le dialogue entre ces deux parties. Le secrétaire général de la commune du 3e arrondissement, Dogui Dakadi Joël, apprécie cette initiative qui contribue efficacement au développement économique et financier du pays. L'association Droits de l'homme et de l'environnement au Tchad lance la campagne de promotion et de renforcement de la 4e République. C'est à la faveur d'un point de presse donné par son secrétaire général, Abba Daoud Nandjedi. Suivez un extrait de ses propos. Si nous lançons cette campagne, c'est en réponse à l'appel du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, de la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution qui disait « Ce chantier assurément immense exige surtout de tous une mobilisation sans faille et un engagement patriotique. » Cette campagne, placée sous le signe de lutte contre la corruption et le détournement des données publiques et la protection de l'environnement débute le 15 juin et qui s'étale sur 10 jours réunissant les points focaux de la dette et des organisations affiliées des régions de Moyen Chari, de Mandoul, de Logone Oriental, de Logone Occidental, Tangile, Mayokebi Est et Ouest, à Mundu pour la partie méridionale et des régions du Barkhazal, Bata, Guéra, Wadaï, Sila et Salamat à Mongo. Elle sera basée sur une approche pédagogique appropriée qui consiste à organiser des séminaires d'information sur les enjeux et les nouvelles valeurs de la 4e République en vue de leur appropriation par des citoyens. Aussi,
Elle sera ponctuée des activités de table ronde des acteurs, de causeries débats, de conférences publiques et de diffusion des spots publicitaires. Actualité dans nos régions, signature ce matin à Bol d'une convention entre le gouverneur de la région du lac Mahamat Abali Salah et le représentant du programme d'appui à la cohésion communautaire au Tchad. Cette convention prévoit la réhabilitation des deux lycées de la ville de Bol et la réfection de la préfecture. Aman Isaac Azina. D'un coût global de 550 millions de francs CFA, cet accord entre le gouvernorat du lac et le programme d'appui à la cohésion communautaire au Tchad PAC vise à soutenir la région dans son plan de développement et de sécurité. Un programme financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID. Nous espérons que ces efforts, qui totalisent pour les quatre activités un montant estimatif de 550 millions de francs CFA, démontrent la volonté du gouvernement américain à travers PAC Tchad d'accompagner le gouvernement du Tchad et sa population dans le relèvement de la région du lac. Le gouverneur du lac, Mahamat Abali Salah, a d'abord invité les bénéficiaires et les autorités locales à accompagner ces actions avant de préciser que cet accord vient matérialiser les initiatives entreprises au niveau régional. C'est depuis quelque temps déjà que nous avons entrepris des initiatives tentant à mettre en place un cadre d'orientation et de recadrage de la programmation de nos activités et les interventions de nos partenaires en faveur de nos populations, en vue de décrisper le moral de celles-ci affectées par des atrocités des ennemis de la paix, car nous sommes convaincus que notre urgence actuelle, c'est le développement. À travers cet accord, le chef de mission du PAC Tchad, Olivier Girard, entend délivrer à la population de Bol 20 000 actes de naissance, réhabiliter le lycée de Bagassola, de Liwa et la préfecture de Bol ravagée tout dernièrement par un incendie. Dans l'Inédit Est, le gouverneur de la région, Tegeni Dibé Berdé, a rencontré hier à Amdjaras les autorités administratives, militaires et chefs des services déconcentrés de sa région. C'est une réunion de prise de contact pour donner des nouvelles directives pour la bonne marche de l'administration. Kalianga Futna. Le gouverneur Tegen Idibé Berdé a rencontré tour à tour les autorités administratives, les responsables des forces de défense et de sécurité et les chefs des services déconcentrés de la région de l'Inédit Est. Le premier magistrat de l'Inédit Est a demandé à chaque responsable de s'y donner corps et âme pour la bonne marche de l'administration et surtout le respect des heures de travail. Pour Tegen Idibé Berdé, la 4e République impose aux Tchadiens un changement de comportement et de mentalité. A cet effet, il demande à ses collaborateurs de l'aider dans l'atteinte de sa mission. Dans une région ou dans un département, il faut prendre contact avec les collaborateurs pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. J'ai trouvé des collaborateurs très exemplaires. Ils m'ont expliqué toutes leurs difficultés. Chaque délégué de chaque ministère, donc j'ai pris bonne note. Et je les ai aussi informés de la 4e République. Et on a pris bonne note pour faire marcher la région de l'Inédit Est. Le gouverneur de la région de l'Inédit Est reconnaît que certes la crise économique impacte sur le bon fonctionnement de l'administration. Cependant, il invite chacun à consentir des efforts pour surmonter cette épreuve. Et puis cette nouvelle brève, les jeunes tchadiens de la diaspora réunis en groupe dénommé Strong Meeting ont construit un château d'eau à la population de Anagassa dans la région du Borkou. Cette action humanitaire a pour objectif de pallier le problème récurrent d'eau potable dans cette localité. Les bénéficiaires ont salué cette action de bonne volonté qui traduit la politique des pouvoirs publics en matière d'amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes. Acte du chef de l'État avant de nous séparer. Au terme du décret 1338, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après, au ministère des Finances et du Budget, direction générale du ministère, direction du contrôle financier, contrôleur financier adjoint Yahya Ali Hassan, en remplacement de Adam Timan Guim, appelé à d'autres fonctions, direction des systèmes informatiques, directeur Ahmad Abdrahman, directeur adjoint Mohamed Nour Chaltout, direction des affaires juridiques, directeur Dr Ousmane Ouzibé,
Directeur adjoint Mohamed Issacha Haroun, cellule des réflexions et des réformes, coordonnateur Aboubakar Maloum Ngoni, coordonnateur adjoint Benoudji Volonté, cellule des communications, chef de la cellule Kayaï Adam Abakar, chef de la cellule adjoint Biako Biakabo André, force d'appui aux régies, coordonnateur colonel Ousmane Adam Diki, secrétariat technique du PAMFIP, coordonnateur Omar Ousmane Brahim, coordonnateur adjoint Abakar Salezen, direction de la centralisation des achats groupés, directeur Souleymane Abakar Abdrahman, direction des ressources humaines, directeur Mohamed Ahmad Issa, inspection générale des finances, inspecteur des finances, Garianmal Mokemgar, Mohamed Nour Angare, Dalla Chimbi, Naitongar Kabo Gangro, Awat Hissène Mohamed, Abdrahman Ismail Siboro, Shérif Mustafa Mohamed Zen, Mogde Djimasngar. Direction générale du budget, directeur des études de la prévision, directeur Saleh Idriss Goukouni, direction d'élaboration et du suivi budgétaire, directeur Amadou Djawro. Directeur adjoint Mohamed Goudja Saleh, direction des investissements, directeur Abakar Dungous, direction de la solde, directeur Mohamed Abdrahman Oumar, directeur adjoint Madame Baïsane Ne Tarumta Ngarbaye, Caisse nationale des retraités du Tchad, directeur Ahmad Mustafa Mohamed, directeur adjoint Fatimé Brahim Nakour, adjoint comptable Zouhal Ahmad Hissène, le ministre des Finances et du Budget est chargé de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire pour prendre effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 25 mai 2018, Idriss Déby Itno. Au terme du décret numéro 1339, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après au ministère des Finances et du Budget. Direction générale des impôts, direction des grandes entreprises, directrice Madame Hadizara Adidei, directeur adjoint Ahmad Djegoudga. Direction des petites et moyennes entreprises, directeur Flavien Ali Tobio, directeur adjoint Idriss Hassan Sidi Sougoumi, direction des recherches et de la vérification, directrice Rihab Mohamed Ali, directeur adjoint Korom Asil Dagash, direction des études de la législation et du contentieux, directeur Adam Mohamed Hassan, directeur adjoint Kainba Benjamin, direction générale des domaines, direction des domaines de la conservation foncière et de l'impôt foncier, directeur Abakar Siddiq, directeur adjoint Hassan Mohamed Haran, direction de l'enregistrement et du timbre, directeur Hamadi Teiro Issa, directeur adjoint Brahim Mohamed Aguit, bureau de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, chef de bureau Mohamed Hissène Madani Hassan, direction générale du Trésor et de la comptabilité, direction de la comptabilité publique, directeur Mohamed Hassan Koji, direction de la dette, directeur Jimmy Abdallah Egermi, directeur adjoint Adoum Saleh, direction des affaires financières, fonds monétaires et de la supervision des établissements des microfinances, directeur Moussa Kosseimi Daoud, directeur adjoint Mohamed Kebir Abdoulaye, direction nationale des assurances, directeur Mohamed Ibrahim Koussi, directeur adjoint Béchir Chegui Agui, trésorier payeur général, Souleymane Adam Haroun. Premier fondé de pouvoir, Abdelmajid Lagré Ahmad. Deuxième fondé de pouvoir, Mohamed Saleh Nour. Direction générale des douanes et droits indirects et du contentieux. Direction des études et de la législation douanière. Directeur Younous Hissène. Directeur adjoint Ali Mala. Direction de la surveillance et des répressions de la fraude. Directeur Moussa Ali Dogoro. Directeur adjoint Abdelrahman Tom Hamid. Direction du dédouanement du bétail. Directeur Brahim Djamous. Directeur adjoint Moubarak Moussa, direction de la comptabilité et des statistiques du commerce extérieur, directeur Bala Djaba, directeur adjoint Idriss Djibia. Article 2, le ministre des Finances et du Budget est chargé de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 25 mai 2018. Idriss Déby Itno. Et puis au terme du décret numéro 1340, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après dans les trésoreries régionales. Trésorerie régionale d'Abéché, trésorerie régionale Bouboul Waïdou, trésorerie régionale d'Amdjaras, trésorerie régionale Abakar Idriss, trésorerie régionale d'Amtiman, trésorerie régionale Oumar Massar Abras.
trésorerie régionale d'Ati, trésorerie régionale Alamine Ali Souleymane, trésorerie régionale de Bardaï, trésorerie générale Abakar Mohamed Yaya, trésorerie régionale de Biltin, trésorerie régionale Mokhtar Ali Alifey, trésorerie régionale de Bol, trésorerie régionale Klamadibaï Marabaï, trésorerie régionale de Bangor, trésorerie régionale Abakar Bougoudi Mala, trésorerie régionale de Doba, trésorerie régionale Mohamed Nour Ali Djadaï, trésorerie régionale de Fada, trésorerie régionale Mohamed Mustafa Mohamed, trésorerie régionale de Faya, trésorerie régionale Guini Issa Galmaï, trésorerie régionale de Gosbeida, trésorerie régionale Ahmad Mohamed Jamous, trésorerie régionale de Koumra, trésorerie régionale Hagar Adam Hagar, trésorerie régionale de Laï, trésorerie régionale Ali Abokora, trésorerie régionale de Mao, trésorerie régionale Mohamed Soudi, trésorerie régionale de Mundu, trésorerie régionale Arsène Djimingar, trésorerie régionale de Massakouri, trésorerie régionale Mohamed Wardougou Arami, trésorerie régionale de Massinia, trésorerie régionale Habib Dungus, trésorerie régionale de Mongo, trésorerie régionale Ousmane Hamid Abdrahman, trésorerie régionale de Moussoro, trésorerie régionale Logme Djougoulaye, trésorerie régionale de Pala, trésorerie régionale Abdel Nasser Mohamed Nassour, trésorerie régionale de Sar, trésorerie régionale Neloum Bangata. Les postes de fondés de pouvoir dans les trésoreries régionales sont supprimés. Le ministre des Finances et du Budget est chargé de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à partir pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 25 mai 2018, Idriss Déby Itno. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la retransmission en direct de la prière de Tarawih à partir de la grande mosquée Roi Faisal.